Cet exemplaire de la série 200, qui a servi à homologuer la 205 T16, est équipé d'un moteur en alliage Leclerc 4 cylindres, 16 soupapes, de 1775 cm3. Ce moteur est suralimenté par un turbocompresseur qui développe 200 chevaux. Les quatre roues sont motrices en permanence. La boîte de vitesse est à 5 rapports avec lubrification par carter sec. Le pont arrière et le pont avant sont équipés d'un différentiel autobloquant. Les suspensions sont à roues indépendantes avec double triangle. Et les freins sont à commande hydraulique à double circuit. Le poids à vide est de 1145 kg et la vitesse maximale de 210 km/h ou un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux grandes amies? Oui, ils sont vraiment les deux grands amis. C'est vraiment c'est émouvant d'être entre les deux. Mais en tout cas, le premier amour, le vrai, c'est ici, c'est 205 TurboGest, Evolution 1, qui était évidemment conçu pour la compétition, qui a vraiment véritablement commencé la révolution à l'époque. Et un autre concept qui n'était jamais vu. Le moteur était très puissant à l'époque, c'est-à-dire tout au début, il avait peut-être 320, 330 chevaux et qui a monté petit à petit jusqu'à 350. Aussi, la transmission à l'époque était très avancée et pour moi personnellement qui rendait la voiture vraiment très, très facile à conduire et qui m'a rendu très confiant au volant. C'est le différentiel à glissement limité. Fabriqué par les Anglais, les Ferguson. Il avait une répartition entre le train avant et arrière, à peu près un tiers un train avant et deux tiers un train arrière. Et en plus, pour la goudron, par exemple, on peut changer cette répartition. La voiture pesait, dans la version de l'asphalte, à peu près 950 kg et pour la terre, près de 2000 kg. Si on évalue la voiture dans l'ensemble, c'était vraiment un concept formidable. Alors, courant 1985, toute l'équipe Peugeot PTS a développé donc l'Evolution 2. Alors, est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous dire quels furent les points d'amélioration qui ont été apportés à l'Evolution 1? L'amélioration principale était d'abord la puissance. On a commencé à utiliser le turbo américain Garrett. Et le moteur, on a eu 430, même plus, chevaux. Et la châssis arrière était tubulaire, qui la rendait un peu plus légère et l'accessibilité était aussi améliorée. Par exemple, le changement de boîte de vitesse est devenu plus facile. Et à propos des freins, par exemple, les freins étaient mis, c'était une amélioration majeure. Les freins marchaient beaucoup mieux avec cette modèle Evolution 2. Mais le comportement de la voiture, la tenue de la route, était devenu un peu plus difficile à conduire, un peu plus délicat.